Yo tout le monde, la vidéo aujourd'hui, vidéo les amis sur les loups, une team vraiment autoroute, ultra simple, peut-être l'une des meilleures teams, low cost entre guillemets, parce que t'as pas besoin de spé, t'as juste besoin d'avoir les persos bien évidemment, et la relique Tonard. Ça tombe bien les amis, la relique Tonard est offerte avec un bonus de connexion. Donc vraiment s'il vous plaît les amis, si vous possédez Tonard pardon, faites la relique Tonard. Voilà, vous faites la relique Tonard. Vous pouvez jouer toutes les teams du jeu. Non mais vraiment les gars, c'est incroyable. Hein. Tonard, elle rend le loup ultra simple. Parce qu'en fait, la relique est totalement game changing. C'est tout. Et en plus dans cette team, ce qui est ultra intéressant, c'est que t'as pas besoin de la relique de Skadi. Parce que je sais qu'il y a énormément de teams où la relique Skadi est très utile. Forcément, moi dans la vidéo, je vais jouer la relique Skadi. Hein, ça va de soi, les gars, je l'ai, donc je vais l'utiliser. Mais dans cette team, t'en as pas besoin. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'as Melio Purgatoire et notre ami Escanor Ultimate. Pourquoi on a mis Melio Purgatoire à gauche? Tout simplement pour qu'il prenne le focus si toute ta team est full HP. Ou par exemple, lui, il a moins de vie par rapport aux autres. Parce que ce qui est cheaté avec Melio Purgatoire, les amis, c'est qu'il a un stack, enfin des stacks, pardon, de réduction. Donc forcément, contre le loup, c'est incroyable, les amis. Enfin bref. La team est ultra forte. Tu as DPS, t'as tout en fait. T'as tout. Skadi qui soigne, qui réduit les dégâts. À part les amis, il faut faire attention. Étage 2. Étage 2, donc c'est phase 3 normalement les passifs. Ce passif-là, vraiment, il est très chiant pour Skadi. C'est pour ça que moi, généralement, j'aime pas trop utiliser Skadi. Mais vraiment, cette team, c'est l'une des teams les plus accessibles. Juste avec la relique Tonard. Oui, j'utilise le mot juste, parce que pour moi, vu qu'elle est offerte, la relique Tonard, pour moi, genre, t'es obligé de l'avoir. Genre, vraiment, la relique Tonard, si je vois un commentaire, j'ai pas la relique Tonard. Alors qu'elle est offerte, bon bien évidemment, il faut attendre les 15 jours de bonus de connexion. Ou sinon tu fais l'étage 1 et 2 avec une autre team. Bref les gars, craftez-moi cette relique Tonard s'il vous plaît. Voilà, les stuffs, les voici. Attaque DCC sur Skadi. Escanor aussi. Ma Tonard est toujours en HP, rescrite avec des substats de défense, voilà. Et Tarmel Link, c'est très important sur Tonard. Et Sarel Link sur notre ami Escanor, c'est très important aussi. Et puis on est parti, les amis. Hein. Vous allez voir pardon, que c'est autoroute du bonheur, hein, comme on dit. C'est débile. Et d'ailleurs, le set de cartes, c'est toujours le même. Le set de cartes anti-gel. Le set de cartes du loup. Enfin, le set du carte du loup. Le set de cartes pendant du loup, c'est le set de cartes avec la carte tuaire du cerf, il me semble. Enfin, en gros, celui qui augmente tes stats de base de 10%. Et qui empêche le gel. Donc moi je vais toujours faire le même play hein, les gars dans chaque vidéo. Voilà, on va taper à gauche avec Tonard. Voilà, boum. Attention, c'est classique hein. Vraiment les gars, le loup, il n'y a pas un milliard de plats à faire. Et là vraiment c'est autoroute du bonheur hein. C'est tout droit, sans prise de tête. Ah là là, c'est incroyable hein. Vraiment c'est incroyable les amis. On n'a pas crit avec... Avec Skadi, c'est rare ça. Hein. Ne pas crit avec Skadi, les gars. Faut le faire quand même. Hein. Ouais, les dégâts qu'il prend, mais le Purga, ouais, c'est des larmes. Hein. Vraiment les giga larmichettes. Hein. Ah, le perso bien équilibré, hein, comme on dit. Hein. Je vais mettre ça avant quand même. Donc là, on va courir. Tout droit. Ça dégage. On va mettre la carte de Tonard, parce qu'en vrai Tonard les gars on s'en fout un peu. Let's go. L'aspect d'Escanor. C'est vraiment tout droit en fait, c'est des barres, hein, vraiment. Hein. Les larmichettes. Hein. Le seul truc qui est chiant un peu c'est le passif de notre ami. Seul défaut, je trouve, de Melio Purga. Hop, on rush les amis. Hein. En vrai, dans cette vidéo, j'ai pas expliqué le fonctionnement du loup. Parce qu'en vrai, les gars, de 1, la flemme. Hein. En vrai, à force, les gars, le loup, j'ai fait pas mal de vidéos, des guides, étage 1 et 2 et 3 d'ailleurs. Hein, pour expliquer le fonctionnement. Mais là, vraiment, le loup est totalement débile. Hein. Je cours tout droit, mon ref, et voilà. Hein. Sans prise de tête. Donc là, même avec un Melio. P1, P2, tu one shot. Hein. Vraiment, les gars, en fait, le truc qu'il faut savoir, c'est que t'as besoin d'avoir ton bonus de Melio Purgatoire pour one shot. Donc là, moi, je vais faire ça. Attends. Mais je sais pas si je one shot, en fait, déjà avec un skill. Mais on va voir les dégâts de Melio de toute façon. Tac.
Là, il fait mal, Melio, quand même. Hein. Genre, Melio dans la bonne team. Il fait mal, hein. Hop, le buff. Spécis, le mien. Ça va, je m'attendais quand même un peu plus de dégâts. Bon, comparé à Escanor, c'est sûr qu'en vrai, Melio. C'est pas non plus un DPS pur, pardon. Ouais, bah écoutez, les gars, c'est tout droit, hein, vraiment sans prise de tête. Hein. Hop, on clique, ça clique bien ici. Hein. Let's go. Hop. Ah ouais, j'espère ne pas drop de cartes, hein, parce que j'ai déjà les cartes. Bon, après, ça me fait un doublon UR, hein, pour améliorer plus tard d'autres sets, mais bon, en vrai, ça... Je pense que j'avais un peu le seum si je drop une carte UR. En vrai, ça va, j'ai pas beaucoup farm les loups, moi. Comparé à d'autres personnes, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont fait 150 loups pour avoir les deux cartes. Moi, j'ai fait en tout 17 loups, il me semble. Enfin, vraiment, les gars, j'ai lucké de ouf. Hein. Généralement, j'ai pas une luck de zinzin, je trouve. Avec tout ce qui est set, enfin, les cartes UR sur les bêtes démoniaques. Après, le piaf, j'ai dû faire 50 piaf, je crois. En vrai, ça va, tu vois, c'est la moyenne. Mais par contre, le cerf, j'ai dû en faire 64, 65, un truc comme ça. C'est... Ouais. Surtout le cerf, c'est très très chiant, hein, avec la gimmick du cycle des couleurs, etc. C'est très très chiant. Franchement, je déteste. Hein. Ça, le problème de Melio, c'est qu'en fait... En vrai de vrai... Let's go. Mais le truc, c'est qu'en fait, s'il prend pas assez de hit, hein, bah t'as pas son passif et c'est très chiant. Après, tu fais mal, hein, quand même, même sans le passif, mais bon, c'est quand même très chiant, je trouve. Hein. Bon, Escanor, hein, qui tape, hein, lol. Escanor, hein, bizarrement. Oh là là là. Mais quel perso! Quel perso, Escanor, c'est grave. Ok, parfait. Oh! Parfait, parfait. Ok, bah c'est quoi, on va jouer comme ça. Hein. On a la réduction d'attaque. Sur Melio. Très chiant. Escanor, hein, bon. Bah Escanor, on compte sur toi, mon ref. Hein. Bon bref. Escanor. T'as vraiment ce perso, mais c'est grave, hein. Sur les loups, c'est une aberration, hein. Tu cours tout droit, sans prise de tête, hein. C'est... Bon, d'ailleurs, on a le meilleur passif, hein, l'un des meilleurs, hein. Donc, tranquille. Donc là, j'ai focus celui à gauche. Hein. Yep. Je vais faire ça avant. Let's go. Bah, tu fais pas de... En vrai, Melio... Ah, je trouve ça compliqué quand même, Melio. Hein. Il y a quand même le malus d'attaque, donc en vrai, ouais, c'est chaud. Du coup, on va mettre un pixel celui de gauche, non, un truc comme ça. Ah non, là, tu vois, ok, nice. Ah, Melio, ouais, il galère un peu des fois quand même. Hein. Il galère un peu le ref. Hein. Ok. Ok, ok. Bah c'est un perso, en fait la team est très forte, hein. Est très forte quand t'es free to play, quoi, hein. Genre t'as les persos pas montés en spé, etc. Genre même des stuff pas ouf, franchement ça passe tranquille, hein. La team est très très forte par rapport à ça, hein. Mais tu sens que Melio, ouais, y a pas le buff, frérot. En fait y'a pas le buff, et s'il se prend le malus qui réduit les stats et l'attaque, ouah, c'est fini pour le perso, hein. Non mais vraiment, hein. Je te jure, hein, c'est grave, hein. Le perso, frérot, il est en mode, ah d'accord. Après, ce qu'a dit les gars, c'est vraiment très fort par rapport à ça. C'est que, en fait, elle augmente tellement les dégâts de ta team. Parce que le mob il te met des embrasements. C'est incroyable, hein. Vraiment, les gars. Ce qu'a dit, je le redis à chaque vidéo où je joue ce qu'a dit. C'est très très fort. Hein. Genre, vraiment, sur le loup, c'est totalement abusé. Hein. Et la force de la team, c'est que vu qu'on augmente le DPS de la team, de base, on joue deux gros DPS du jeu. Bon, surtout Escanor, c'est vraiment le giga DPS. Mais lui aussi, tu vois. Même s'il a besoin de son buff d'attaque. Sans... Il fait mal aussi, mais tu sens que sans le buff d'attaque, c'est quand même complicado. Tu fais le café quand même, hein. Ok. Pas mal. On s'est tapé combien de fois?
Par contre, on a pas de chance par rapport. Ok, ça c'est marrant. Hop, on court tout droit, les amis. Sans prise de tête. Ah, sans le buff, quand même, tu fais mal. Hein. Mais là, regarde le buff. Bon, là, il est pas full vie, malheureusement. Mais là, regarde les dégâts. Fin... En fait, je te dis, c'est cheaté. Hein. C'est ce qu'a dit. Elle augmente tellement les dégâts de la team que tu. T'es vraiment bien dans ton combat. Hein. Très, très fort. Hein. Ce qu'a dit permet de faire beaucoup trop de dégâts. Hein. Oh, Escanor, hein, lol. Ton nom, n'est-ce pas? Pas de gel sur Escanor, please. Parfait. Vas-y. Bon, damage cap. Même en vrai, pas spécifique, les gars, hein, damage cap. Vous avez vu les dégâts que j'ai fait à droite, hein? 1,3 million, hein, donc bon. En vrai, en termes de DPS, les gars, vous êtes vraiment bien éclatifs. Ok, fusil de sniper, ça c'est pas mal, du coup ça va aller sur Escanor. On peut pas réduire pardon ses stats hein, qu'il a au début de la game. Donc en gros ouais voilà il y a ça. Ah là là débarre. Hein. Vraiment le perso est totalement déséquilibré quoi vraiment. On va taper à gauche en vrai hein. Taper à gauche. Let's go. Oh, on n'a pas crié. Oh, c'est dommage ça. Bon, c'est pas grave. Pas de gel. Oh, ouais, ça par contre, c'est vraiment unlucky de ouf. Hein. Faut dire les termes, les gars. Ah, là, c'est bien unlucky quand même. Hein. Bon, bah écoutez, après, c'est aléatoire. Hein. Malheureusement, les gars, c'est la vie. Hein. Est-ce qu'un or est mort ou pas d'ailleurs? Peut-être. Hein. Ça c'est la consté les gars, c'est la consté les amis. D'ailleurs on a plus rien en fait là, c'est n'importe quoi. Hein. Genre vraiment ce qui se passe les amis. Ah ouais on est vraiment pas bien quoi. D'accord. Ok bon bref. Fais attention avec la team hein, quand même. C'est pas auto win hein. Genre en vrai les gars on peut se faire troll. Hein. Allez Melio. Ah bon Melio hein, vraiment son buff d'attaque les gars totalement broken. Escanor. Donc là on est réduit malheureusement fusil de sniper. Du coup ça aide pas forcément. Ouais bah écoutez la team elle passe vraiment tranquille hein. Genre en vrai les gars c'est pas la meilleure team bien évidemment pour farmer mais c'est une team qui passe tranquille hein, vraiment sans prise. Bon je tape au plus de toute façon c'est win les gars on s'en fout. Pas beaucoup de spé, bah tu joues la team. Hein. Ouais, bon, bref. Ok. Ok, ok. Mais ça va regarder, les gars. N'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Des bisous. Tchuss. Oh, j'ai cru que j'allais dropper deux cartes. Nice. Pas dropper de cartes. Let's go.